Alors, la commission disciplinaire de l'université m'a condamnée. Je suis victime d'une injustice et cela sera reconnu un jour officiellement. Je sais que je n'ai pas triché lors de l'examen. J'étais là, j'ai composé, j'ai remis la copie. Cette copie, je l'ai bien vue, qui dépassait de sous la porte d'un bureau. C'était lorsque je suis allée à l'administration en juillet avec ma mère. Je sais que je n'ai pas rêvé quand je suis allée à l'université. Et ce n'est pas moi qui ai glissé cette copie sous la porte. Elle était là avec la note de 17 et demi. Voilà. L'université dit que ce n'est pas possible d'avoir une aussi bonne note avec le professeur concerné. Mais j'étais étudiante pendant 2 ans à Fouillol. Et je sais que c'est possible. Je connais une fille qui a eu 18 avec ce professeur. Il a dit aussi que ce 17 et demi, c'était pile. Enfin, on a dit aussi que ce 17 et demi, c'était pile aussi ce qu'il me fallait pour pouvoir passer en deuxième année. Mais ce n'est pas vrai. Si j'avais voulu tricher, j'aurais besoin d'un 14. Moi, je sais que je ne mens pas, que je dis la vérité. Donc, je continuerai à me battre avec mes camarades et avec mon avocat Maître Calvert. Parce que si cette histoire m'est arrivée, je ne veux pas que ça arrive encore à d'autres étudiants et je suis innocente.